de la culture dans ce journal à l'occasion de la sortie de son single intitulé Gabon. L'artiste, auteur, compositeur, interprète Pierre Claver à Kindengé a tenu hier une conférence de presse à l'Institut français de Libreville. Au cours de cette rencontre, il a annoncé la tenue de deux concerts dans les tout prochains jours. Les détails avec Cabrel Guilin Lemami. Pierre Claver à Kindengé renoue avec son public. Longtemps absent sur la scène nationale et internationale, l'artiste, auteur, compositeur présente ici à travers cette conférence de presse son dernier single composé de deux titres dont le contenu démontre son affection pour son pays. Gabon Nyango Nyango et Nervo Kaoué. Gabon Nyango Nyango. C'est toute une affection, toute mon affection pour ce pays qui est notre. La notion de Nyango Nyango, dans cette notion, il y a une idée de mignon, jolie, mais aussi de fragilité. Donc, il y a une idée de grande affection, de tendresse et de protection. Il faut dire que la sortie de ce single précède l'organisation de deux grands concerts que l'artiste animera les 12 et 13 janvier prochains à l'Institut français du Gabon. Un concert, c'est toujours l'occasion privilégiée d'un artiste de retrouver son public. Avec une ambivalence de sentiments, la peur de décevoir, mais aussi la joie de retrouvailles. Gageons que la joie de retrouvailles prenne le pas sur la déception. Au cours de cette rencontre d'échange avec les journalistes, Pierre Claver à Kindengé est revenu sur le rôle des médias dans la valorisation de la culture gabonaise, non sans omettre de souligner le manque au Gabon des structures de production et de distribution des œuvres. Il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de galerie où on peut admirer les œuvres des peintres, des sculpteurs. Et même les fêtes populaires que j'observais quand j'étais jeune, moi je pense que si le Gabon veut se régénérer, la priorité des priorités, c'est de mettre l'accent sur la culture. L'artiste qui compte plus de 50 ans de carrière fait partie des grands maîtres de la musique africaine contemporaine depuis les années 60. Il compte parmi les chanteurs gabonais les plus connus et sans doute le plus primé.